Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 989. Plein de choses à dire sur ce chapitre. Pourquoi ? Parce que déjà, on a eu cette double page hyper badass, mais au-delà de ça, il y a eu énormément d'informations. Donc, pour pas trop se perdre un petit peu partout, on va faire cette critique analyse en 4 parties. Première partie, ce sera tout simplement sur Franky. Que dire de Franky ? Eh bien, Franky... Poto, je t'adore. La deuxième partie, ce sera sur les numbers. Qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont été créés, quel sera leur rôle pour la suite. La troisième partie, on va bien sûr parler du cas Big Mom. Big Mom, est-ce seulement un running gag? Est-ce qu'on va avoir enfin une bonne utilisation de Big Mom? Et enfin, dernière partie, là, on va parler des Mugiwara, on va parler de Luffy, de Zoro, aussi de Sanji, bref, plein de choses à dire. Donc, on va pas perdre de temps. C'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 989. Franky, je tiens à m'excuser devant toi, excuse-moi, de ne pas t'avoir jugé à ta vraie valeur. Franky, tu n'as jamais été mon Mugiwara préféré. Avant toi, il y a toujours eu du Zoro, du Sanji, il y a même eu Jinbe, et pourtant les hommes poissons, c'est pas ceux que je préfère le plus dans l'univers de One Piece. Il faut dire que mon petit Franky, quand tu arrives, t'as toujours un petit moment de badassitude. Et là, si ce chapitre est vraiment excellent, c'est parce que tu as su rappeler à certaines personnes, comme par exemple Nami. Nami qui était là bien avant toi. Nami qui a eu cette histoire avec Arlong, qui a eu ce moment très très dur et qui doit beaucoup justement à Luffy. Tu as su lui faire comprendre que ton rêve que toi tu as est secondaire par rapport au but de cet équipage. Le but de cet équipage, c'est de faire devenir Luffy le seigneur des pirates. Et c'est une fois qu'il aura atteint ce stade que vous pourrez atteindre votre rêve. Et c'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que ici, Franky vient bien rappeler l'importance de l'équipage. C'est-à-dire que One Piece, ce n'est pas que l'histoire de Luffy, c'est vraiment l'histoire de tout cet équipage et chacun, quel qu'il soit, même si Ichiroda s'amuse beaucoup avec lui, rappelez-vous au niveau des primes, quand il s'aperçoit que Usopp a une prime au-dessus de lui, c'est un petit peu pour dire, regardez, vous, lecteurs, qu'on peut s'amuser avec ce personnage, que même si vous ne l'aimez pas, même s'il a une prime moins importante que d'autres, eh bien, il va avoir des moments badass plus tard, et justement, dans ce chapitre, on l'a eu. Donc, Franky, tu es vraiment nécessaire à cet équipage. Tu nous fais rigoler, même si tu te trimbales en slip et même si des fois ça fait un tout petit peu bizarre. Franky, je voudrais te le dire encore une fois, énorme respect pour toi et je m'excuse de ne pas t'avoir aimé à ta juste valeur. C'est Numbers, la grosse révélation qu'on a eue dans ce chapitre. Pourquoi je parle de révélation? Parce que je sais pas pour vous, mais moi personnellement, les Numbers, je pensais que c'était des créatures. Hein. Bien sûr, on sait que ce sont à peu près comme os derrière des géants avec des cornes, qu'auraient combattu tout simplement Kaido. Et quand Kaido les a battus, et bien tout simplement, les géants sont devenus les Numbers et sont passés sous les ordres de Kaido parce qu'ils ont reconnu en Kaido l'empereur et la personne assez forte pour pouvoir les commander. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ici, on apprend que ce sont des créatures qui ont été créées au niveau de Punk Hazard et qui ont été vendues. Comment ils ont été créés? On sait qu'au niveau de Punk Hazard, il y avait trois grands scientifiques et après d'autres scientifiques. Enfin, trois grands scientifiques, il y en a un petit peu, c'est un petit peu un comique. On a eu, bien sûr, Vegapunk, Jaji et aussi César Clown, et même ici encore avec ces géants, ces numbers, ça remontre encore une fois que Vegapunk est supérieur à César. D'ailleurs, on va en parler un petit peu tout de suite. Rappelez-vous, le fruit qu'a mangé Momonosuke, eh bien c'est un vrai faux fruit du démon, c'est-à-dire que c'est un fruit du démon, le fruit du démon du dragon, et il a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation, c'est-à-dire que la personne peut être humaine et après se transformer via le fruit qu'il a mangé, alors que les fruits de César, eux, quand le mec mange le smile, eh bien, il a la capacité de ce fruit, mais il ne peut pas trop devenir humain, ou alors il a des sortes de tatouages, des sortes de petites traces sur le bras, donc ce n'est pas comme ce qu'a fait Vegapunk. Donc ici, on voit encore une différence entre César et Vegapunk. C'est-à-dire que Vegapunk arrive à quelque chose et César ne fait seulement qu'une imitation. Là, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous, César avait bien dit, il est impossible de faire la géantification. Alors que ici, même
si ce sont des expériences ratées, on voit bien que les numbers ont resté dans le temps tels qu'ils sont. Oui, j'ai bien dit dans le temps. Pourquoi ? Parce que ces numbers font partie de l'équipage de Kaido il y a plus de 20 ans. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si on reprend le flashback d'Oden, quand Inuarashi ainsi que Nico Mamuchi essaient de s'enfuir, ils se font rattraper par un numbers, et ce numbers, c'est tout simplement Jacky. Donc ça montre bien que Kaido a acheté ces géants, ces expériences ratées, il y a plus de 20 ans. Maintenant, ce qui est bon à savoir aussi, c'est comment Kaido a fait pour les acheter. Parce que rappelez-vous, quand on prend l'arc de Punk Hazard, quand Nami ainsi que Chopper s'enfuit avec les enfants, ils passent dans une caverne de glace où il y a plein de créatures géantes dedans. On peut imaginer que c'est Vegapunk, c'est une sorte de congélo de Vegapunk où toutes ces expériences ratées ont été mises dedans. Donc si ce sont des expériences ratées, lui il ne va pas le vendre parce que je pense qu'il a une certaine déontologie. Et qui au niveau de Punk Hazard, lui par contre, n'a pas de scrupules, et eh bien c'est tout simplement César. On avait vu justement que César avait utilisé tout l'argent qu'avait donné Big Mom pour cette expérience de géantification, alors qu'il savait que lui n'était pas capable de le faire, il avait quand même pris l'argent. On peut imaginer qu'il ait pris quelques monstres pour après se mettre en contact avec Kaido et après les vendre. C'est-à-dire que les monstres ont été vendus sans l'accord de Vegapunk. Et justement, vu qu'on parle de Vegapunk, on va aussi faire une petite parenthèse sur ces armes qui ont été créées, qu'on a entendu parler à la rêverie de la bouche de Fujitora. Quelque chose a été créé pour remplacer les Shichibukai. Et ces choses-là, on pensait que c'était justement des PX, et bien non, c'est sûrement des géants qui a réussi à créer Vegapunk et auxquels il a mis justement les armes, les déviations de certains fruits du démon à l'intérieur pour en faire des créatures absolument exceptionnelles. La chose qui est vraiment excellente là-dedans, c'est qu'il faut bien imaginer que Vegapunk ne fait pas partie du gouvernement mondial et que c'est un révolutionnaire. Tout ce qui s'est passé avec Kuma en est la preuve. Donc, les armes qu'il a créées à un moment, on verra ça dans bien plus tard, dans plus de 100 chapitres sûrement, vont se retourner contre le gouvernement mondial et contre Im-sama. Encore une fois, c'est la petite théorie cadeau que je vous fais dans cette critique analyse. On revient au niveau des numbers. Les numbers, donc, ils ont été tirés de quoi ? Ils ont été tirés de l'ADN des géants antiques, ADN qu'il avait fait justement des recherches avec Jaji. Comment il a pu avoir cet ADN? Cet ADN, sûrement, il l'a eu grâce à Oz. On voit aussi qu'il y a un énorme crâne qui était présent sur l'île de Punk Hazard quand on arrive à Punk Hazard. D'ailleurs, parmi ces géants antiques, on a bien un crâne qui est présent au niveau de Onigashima. C'est sûrement, comme je l'ai dit il y a pas mal de temps dans une critique analyse, que ce crâne est justement celui du géant antique qui a formé Wano Kuni il y a plus de 1000 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a aussi un crâne qui lui ressemble énormément à l'entrée de Punk Hazard. C'est sûrement un géant qui a réussi à s'échapper, mais après qui a été bouffé par le dragon. Ça reprend un petit peu aussi l'idée comment et aussi pourquoi Moria a décidé d'avoir Oz et pourquoi il a décidé de le créer. C'est simple, c'est parce que quand il y a 22 ans, il a été attaqué Onigashima pour tout simplement battre Kaido, peut-être de venir en prendre, et s'est pris une grosse tôle. Peut-être qu'il a aussi dû combattre des numbers, des géants. Et donc il s'est dit, si je dois à nouveau revenir pour latter la bouche de Kaido, il me faut aussi un géant, et il me faut le géant qui est à l'origine de la création des numbers. Moria a eu l'idée, a eu l'information de ça et a pu trouver Oz pour après le prendre, attendre pour trouver une personne assez puissante à qui prendre l'ombre, lui mettre dedans pour avoir ce géant qui ne fera qu'une seule bouchée de l'équipage de Kaido et bien sûr de ses numbers. Big Mom. Le cas Big Mom, franchement, ça fait mal au cœur parce que c'est un empereur. C'est un empereur et de ce fait, il y a un certain charisme, il y a une aura, il y a une puissance qui est autour d'elle. On l'a vu au niveau de Toadland, quand ils essayent de pouvoir lutter contre elle, on voit qu'ils s'attaquent à quelque chose d'absolument indestructible et même le plan qu'ils avaient mis en place n'a pas réussi. Mais à un moment,
Dans cet arc Toadland, il y a un changement où l'antagonisme principal n'est plus Big Mom, mais est Katakuri. C'est-à-dire que Big Mom devient secondaire, Ichiroda l'emmène par différentes astuces scénaristiques, et on a un final où on a Jinbei, on a Jaji et son équipage qui sont face à Big Mom, et on se pose des questions. Sauf qu'on voit revenir Jinbei comme ça, il donne aucune information, et là on voit le traitement de Big Mom avec Jinbei, on n'a pas d'explication non plus entre les deux. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Jinbei est parti, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Cette Big Mom, plus ça va, moins elle fait peur. C'est-à-dire que quand on la voit, on se dit pas « Waouh, ça va chier ». Quand tu vois Barbe Noire qui s'amène au niveau de Marineford, tu te dis « Waouh, il va se passer quelque chose de terrible ». Quand tu vois ce combat des Fourreaux Rouges contre Kaido, tu te dis « Punaise, là, ça va envoyer du lourd ». Sauf que là, ici, Big Mom, on la voit. On a eu l'espoir de voir quelque chose quand il y a eu cette confrontation contre Luffy, mais il y a eu l'esquive facile de l'attaque, et là, elle a été envoyée bouler. Voilà, elle était envoyée rouler par Jinbei ainsi que Robin. Il y a une très belle complémentarité. On voit que tous les deux ont l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence a été supérieure à la puissance du personnage. Et là, elle est en train de rouler pour sortir carrément du champ et même sortir d'Onigashima, parce que là, elle est partie vers l'entrée d'Onigashima. Sauf qu'à l'entrée d'Onigashima, il n'y a pas n'importe qui. Il y a Marco ainsi que Perospero. Donc, elle va rejoindre son équipage, sa famille, et Jinbei le dit bien, elle va revenir très énervée. Donc, même si on a eu un traitement complètement débile, peut-être que c'est quelque chose qu'a mis en place Ichiroda pour qu'on sous-estime ce personnage, et qu'à la fin, on ait une action hyper badass de Big Mom, une très très grosse menace. Et la très très grosse menace, je la vois comment ? Je la vois, et ça on va en parler tout petit peu juste après, c'est-à-dire qu'on a l'équipage des Mugiwara qui va réussir à s'attaquer aux deux bras droits, c'est-à-dire Queen ainsi que King. Ils vont réussir aussi à neutraliser un petit peu toute cette menace, et une fois que cette menace sera neutralisée, qui c'est qui va revenir et qui va être vénère ? Il va y avoir Big Mom. Pourquoi ? Parce que dans cet arc Wano Kuni, et en plus Ichiroda nous a annoncé la fin de One Piece dans 5 ans, les deux empereurs doivent être battus. On ne peut pas terminer cet arc Wano Kuni sans que Kaido et Big Mom, il n'y ait pas leur chute. Pourquoi ? Parce que pareil, comme dans tout, enfin une très grande majorité des mangas, on a mis en place une ancienne génération qui va être détruite pour en amener une nouvelle. Et je vois même directement à la fin, pourquoi pas, et ça serait complètement fou, la fin de la piraterie dans le monde de One Piece. Mais ça, encore une fois, c'est un autre délire. Big Mom, c'est surtout là-dessus que je veux revenir. C'est-à-dire que même si elle est, depuis le départ, il lui arrive autant de choses dans la tête, je pense que c'est un but d'Ichiroda, un but narratif, qui, pour pouvoir l'amener encore plus fort, où là, on va se dire... Là, il y a Big Mom qui arrive, elle va totalement se faire toller, mais non, elle va pas se faire toller, et là, elle va faire énormément de dégâts, un truc absolument de taré, où on va avoir besoin des Mugiwara, ainsi que de tous les autres samouraïs qui sont présents, pour pouvoir contrer cette menace qui va arriver, pendant que lui, Luffy, va être là-haut. Parce que oui, on va arriver sur cette dernière partie de la critique analyse, on va parler de l'équipage des Mugiwara, et de ce qui va leur arriver. Dernière partie de cette critique analyse avec l'une des pages les plus belles que j'ai vues au niveau de One Piece. Cet équipage absolument fantastique. Ne me dites pas, comme j'ai dit dans la réaction live, ne me dites pas que cette page ne vous a pas fait quelque chose. Je veux absolument que la Shueisha nous fasse cette page et nous la vende. Il nous la faut. Déjà, une chose aussi qui est importante, je pense que c'est même la chose la plus importante qu'on ait pu voir au niveau de cette double page, c'est qu'il n'y a pas Carotte. Donc vous arrêtez de dire Carotte, c'est sûr, allez, futur Mugiwara, oh, regardez ce qui s'est passé avec Hidro, Inuarashi, Noko, Mamushi, avec l'équipage de Goldie Roger. Non, Carotte ne fera jamais partie de l'équipage des Mugiwara. Un point, c'est tout. Là, ça a été montré. Sinon, on aurait vu Carotte. C'est sûr et certain qu'on aurait vu Carotte si Ichiroda nous avait dit « Hé, regardez là, elle va faire partie de l'équipage. » Donc bref, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va réfléchir un petit peu à ce qui va se passer. Déjà, Luffy le dit bien.
Il a du respect envers son équipage et surtout une énorme confiance. Il dit, moi, faut que j'aille là-haut, latter la bouche de Kaido, aider les fourreaux rouges. Donc, je vous laisse gérer la suite. Et dans la suite, il y a King et il y a Queen. C'est l'équivalent de Katakuri. Ce qui est important ici, c'est que rappelez-vous au niveau de Toadland, Katakuri, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était lui qui était devenu l'antagoniste principal. Et seul Luffy a réussi à le blesser, a réussi à le mettre KO. Ici, si Luffy part et que le reste des Mugiwara arrive à latter King et Queen, Ishiroda nous montre ici un level up de l'équipage qui est absolument fantastique. Et j'irai même plus loin. Oui, parce que je suis fou dans cette vidéo. Zoro, ça, on en est à peu près sûr. Zoro va réussir à latter, à mettre KO un bras droit. Je pense qu'il va mettre Queen. Il va réussir à mettre Queen de côté. J'ai énormément d'espoir. Je l'avoue, c'est le fanboy qui parle. Parce que depuis très très longtemps, moi, j'adore Sanji. Et je veux que Sanji arrive à combattre King. Il n'a peut-être pas, je suis pas fou, je suis pas aveugle au point d'imaginer qu'il battra entièrement King et qu'il aura peut-être besoin d'autres personnes pour le latter, d'autres attaques. Par exemple, un support de Usopp. Usopp qui va attaquer à distance pendant que Sanji va aller directement sur King, c'est sûr, parce qu'on est dans un truc volant, hein, on est dans les airs, donc voilà, le petit support d'Usopp peut vraiment très très bien aider en tant que sniper. On a vu aussi que la Red Suite de Sanji est hyper important. Il est même lui-même surpris par la puissance de celle-ci. Il n'a aucun dégât. Ça le fait chier que ça soit aussi puissant parce qu'il se dit il faut quand même que je l'utilise pour protéger tout simplement Robin ainsi que Nami. Donc il va être obligé de l'utiliser. Mais il ne veut pas se faire voir avec. C'est pour ça que dans la page finale, on voit le Sanji normal parce qu'il faut bien différencier le Sanji du Soba Mask. Le Soba Mask, c'est quand il utilise justement la technique du Germa et c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc, c'est pas lui, en un sens. Il y a une très belle symbolique qui est présente ici. C'est-à-dire que quand on a une image des Mugiwara, on a Sanji. Quand on aura un combat après, on aura Soba Mask. Donc, si je reprends l'idée, Zoro va être capable de latter la bouche de Queen. Et d'ailleurs, j'aime aussi le dialogue qu'il y a eu entre Luffy et entre Zoro, c'est l'insouciance totale, c'est-à-dire qu'ils sont face à un bras droit et ils se parlent comme si ils étaient en balade. Cette insouciance des deux là, c'est magnifique, c'est d'ailleurs l'une des très grandes forces, c'est ce qu'avait dit Jimbe dans un précédent chapitre. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi Big Mom qui va arriver avec le reste de l'équipage. Marco va être là, bien sûr, pour les aider. Et donc, on va avoir Soul King qui va pouvoir aider. Nami, qui est vraiment très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle doit avoir Zeus. Elle doit avoir Zeus et même Prométhée. Donc, il se passerait quelque chose. On va avoir un truc de fou qui va se passer à ce niveau-là pendant que Luffy, lui, va réussir à partir. Mais toutes ces batailles qu'il va y avoir, même par rapport aussi à Chopper. Chopper, on peut l'imaginer, qui va prendre ce Monster Punk et qui va pouvoir jouer à jeu égal avec des numbers. Ça va être excellent. Pareil pour le Shogun Franky. On va avoir des nouvelles techniques. Ils vont peut-être combattre aussi dos à dos avec Chopper. Enfin, il y a plein de trucs qui vont être amenés où on va avoir cette jouissance au niveau des Mugiwara. Oui, je parle de jouissance parce que quand on voit ce que Ishiroda nous a dessiné avec cette double page, le reste des combats va être magnifique et surtout, c'est vraiment pour nous montrer un niveau technique et un niveau de puissance et un niveau d'intelligence. Jimbe, Robin par exemple, cet équipage va vraiment être cet atout majeur pour pouvoir combattre le gouvernement mondial et surtout Imsama parce qu'il sert à quoi ? C'est Arkwano Kuni. Il ne sert pas à rien. Il sert seulement à mettre les choses en place pour ce dernier arc, pour la destitution de Imsama. En gros, quand j'ai lu ces deux doubles pages, la différence qu'il y a eu entre l'équipage qu'on a vu lors de l'île des hommes poissons et cet équipage maintenant, je trouve qu'il y a au moins, oui, il y a 10 années qui se sont séparées. Mais au niveau, c'est 10 années pour nous. Mais ce sont que quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour l'équipage des Mugiwara. Et pourtant, entre l'arc de l'île des hommes poissons et cet arc Wano Kuni, ils ont vécu tellement d'aventures qui les a tellement
Enfin, ils ont pris du niveau, ils ont pris du charisme, ils ont pris de la badassitude. Et la différence entre ces deux pages est vraiment absolument monstrueuse. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette double page. Donc vous aussi, n'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi aussi si vous avez ressenti la même chose. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère que vous aurez aimé le nouveau format ainsi que le nouveau décor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des choses dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, 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 on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.